Et francophonie. Mon nom, c'est Francesco McAllister Caruso et je suis le directeur des affaires francophones ici à La Fierté dans la capitale et je serai votre animateur pour le panel aujourd'hui. Avant de commencer puis de se tourner à les questions, je veux reconnaître que La Fierté dans la capitale et notre équipe sommes situés sur les terres non cédées des peuples autochtones algonquins Anishinaabeg qui ont historiquement été les gardiens de ces terres et ces eaux. Et puis alors qu'on célèbre la fierté ici à Ottawa-Gatineau, il est crucial de ne pas oublier que la lutte pour l'équité, la justice et la libération des minorités sexuelles et de genre est intrinsèquement liée à la lutte contre la colonisation et les systèmes racistes qui maintiennent la marginalisation des peuples autochtones et aussi racisés. La Fierté dans la capitale est dévouée à poursuivre nos efforts de réconciliation et nous invitons tous celles et ceux qui assistent à ce panel aujourd'hui, d'aussi considérer les façons que vous pouvez vous consacrer votre temps, votre énergie et vos ressources à la poursuite de ces buts, que ce soit de façon individuelle ou par groupe. Donc, maintenant, j'ai le plaisir d'entamer le sujet de discussion d'aujourd'hui. Le français, comme on le sait, est une langue à la fois explicitement genrée, donc avec le masculin et le féminin, mais aussi expressément prescriptiviste. On a des institutions linguistiques telles l'Office québécoise de la langue française et l'Académie française qui dictent des bonnes et des mauvaises façons de parler français. Donc, comment exprimer une identité de genre en français tout en évitant l'insécurité linguistique qui est souvent rattachée? Donc, pour adresser ces questions et bien d'autres en lien à ça, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois super panélistes qui vont nous parler de leur propre expérience en tant que personne trans ou non-binaire francophone. Commençons d'abord avec Vincent Mousseau. Vincent, qui utilise des pronoms iel avec accord masculin, est un travailleur social professionnel, chercheur et activiste basé à Tsotsiaagé, ou aussi connu sous le nom de Montréal. Comme activiste et conférencier, ses champs d'intérêt ou ses champs d'expertise sont la structure anti-oppressive, les stratégies de sensibilisation auprès des communautés queer et trans racisées, l'analyse intersectionnelle, l'activisme Black Lives Matter et l'activiste queer anti-assimilationniste. Sur le plan académique, Yael s'intéresse au développement identitaire des personnes noires LGBTQ+ au Québec, le racisme sexuel ainsi que la prévention du VIH et des ITSS auprès des communautés queer et trans racisées. Merci d'être avec nous, Vincent. Toujours un plaisir de vous voir. Ensuite, on a Lionel Lehuillier qui utilise les pronoms il ou elle avec les accords masculins. Lionel est un artiste de théâtre transmasculin non binaire. Il est le directeur artistique du théâtre Tremplin et travaille depuis plusieurs années avec les compagnies professionnelles de la région de l'Outaouais. En 2019, il a présenté son texte L'étude matinale, ou Jamais lu 2019 et Zone théâtrale 2019, dans lequel il a joué et s'est mérité le prix national RBC de la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. Le texte parle du parcours transidentitaire et de la relation entre l'identité non binaire et la langue française. Lionel est également vice-président du CA de Trans-Outaouais. Lionel, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ensuite, en troisième mais non le moindre, on a Alicia Kazubinka. Originaire du Burundi, Alicia, qui utilise les pronoms elle avec accord féminin, a grandi au Sénégal avant de venir immigrer au Québec en 2007. En 2012, elle a décidé de s'impliquer dans un organisme afin de pouvoir éduquer et sensibiliser les personnes, surtout celles de la communauté noire. C'est à ce moment qu'elle devient bénévole pendant 6 ans pour l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique, African Rainbow, à Montréal, qui l'a ensuite amenée à occuper le poste de responsable des médias sociaux du festival Massimadi. En 2018, la fondation Massimadi décide de la nommer comme leur nouvelle porte-parole, poste qu'elle occupera pendant 3 années successives jusqu'en mars 2021. Sur le plan personnel, elle a amorcé son processus de transition en 2016 et figure aujourd'hui parmi les rares femmes trans noires du Québec. En 2020, elle a fait la couverture du magazine Véro du mois de septembre, comme faisant partie des 11 femmes influentes du Québec de la communauté noire. Son expérience en tant que femme trans noire lui apporte une expertise dans les questions d'identité de genre et d'intersectionnalité. Toujours très impliquée dans la communauté LGBTQ, elle donne des conférences et des ateliers à l'échelle nationale et internationale et elle milite pour une plus grande visibilité des personnes trans. Merci beaucoup de ta participation aujourd'hui, Alicia. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas apporter à ce panel. Merci à vous. All right.
Maintenant, poursuivons dans le creux de la discussion aujourd'hui. On va parler de identité de genre et francophonie et de pluralité des genres. On a préparé des questions à l'avance pour nos panélistes, mais on veut aussi vous entendre, chères et chères personnes qui écoutent ce panel aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à nous poser, s'il vous plaît, les écrire dans les commentaires de cette diffusion en direct. Et puis, nous les poserons à la fin de ce panel. Aussi, si vous voulez préciser si votre question s'adresse à un panéliste en particulier, s'il vous plaît, aussi indiquer cette information. Donc, sautons tout de suite dans la discussion. Je vais poser une question un peu plus générale, adressée à tout le monde, mais peut-être commençons par Vincent. Vincent, on le sait, l'insécurité linguistique constitue une barrière importante à l'expression des identités trans et non-binaires en français, ce qui pousse souvent les gens à adopter des termes en anglais ou d'exprimer leur identité en anglais quand ça vient temps de parler de leur expérience trans. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on peut figurer, comment est-ce qu'on peut discuter de nos vécus en français en évitant l'insécurité linguistique, puis comment est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences entre les identités ou les personnes trans et non binaires anglophones et francophones? Ben merci pour la question. D'abord, j'aimerais tout d'abord juste reconnaître que je me trouve présentement sur le territoire Tchadjagé, qui est le territoire dont la nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles moi je me trouve. Donc, pour moi, notamment en tant que travailleur social, c'est essentiel de reconnaître cette réalité aussi, puisque ma profession est responsable pour la propagation de plusieurs formes de violence coloniale, et ce jusqu'à présent. J'aimerais commencer par ça. Je suis aussi d'origine franco-ontarienne, donc je viens de Toronto. Tout ce qui est question d'insécurité linguistique et de reconnaissance identitaire en français m'est très cher. Donc, ça a commencé, toutes ces questions ont commencé pour moi lorsque j'étais contacté par Radio-Canada pour parler de la non-binarité en français dans le cas d'une personne trans à Windsor qui, à force de se faire mégenrer constamment dans des institutions désignées francophones dans la région, se décide de tourner vers les services en anglais. Et donc, pour moi, amateur de la langue française que je suis, et aussi personne qui vise à revendiquer en fait mon droit d'exister en français, c'est devenu un peu mon champ de bataille. Moi, je vois fondamentalement la non-reconnaissance des genres non-binaires ou des néopronoms et toutes ces questions comme étant, en contexte minoritaire, en tout cas, un pas vers l'assimilation. Même à Montréal, je vois qu'une bonne partie de mes amis francophones non-binaires décident de parler beaucoup plus en anglais parce qu'il y a juste une facilité qui est ressentie par les gens. Et pour moi, je trouve ça vraiment désolant parce que, tu sais, on lutte activement pour l'inclusion, on lutte activement pour être reconnus tels que nous sommes. Mais c'est comme si on doit laisser une partie de notre identité de côté pour se faire. Et pour moi, c'est inconcevable. Le fait de vivre en français, le fait de vivre en tant que personne non binaire, le fait d'être une personne noire, le fait d'être une personne queer, je ne peux pas les séparer. Elles sont tellement, tous ces éléments-là sont tellement connectés à mon identité que pour moi, il n'y a pas de manière de le faire. Mais c'est vrai que ça pousse beaucoup de personnes à se dire, il n'y a pas de place pour moi en français. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement content qu'on a réuni cette belle gang de personnes pour parler de ce sujet-là, parce qu'effectivement, s'il y a une personne non binaire qui nous voit parler de notre réalité et qui dit, en fait, moi, je veux lutter pour mon droit d'exister, mon droit de revendiquer des services, mon droit d'être franco-ontarien, franco-ontarienne, d'être québécois, québécoise, et être non binaire, être ça aussi à la fois ça et à la fois non binaire, c'est parfait pour moi. Je suis certain que Lionel et Alicia, vous avez aussi des réflexions intéressantes par rapport à ça, fait que je la ferme.
Peut-être, Lionel, je suis intéressé de savoir, toi qui habites dans la région d'Ottawa-Gatineau, un peu sur qui travaille sur les deux côtés de la frontière, comment est-ce que tu vois ça? Ben c'est sûr que premièrement, merci beaucoup Vincent pour ta réponse. Puis merci pour la question. Dans le fond, tu sais, quand on regarde justement, tu sais, moi aussi, j'ai souvent entendu des gens dire ben j'ai dû choisir entre être queer ou être francophone. Ce qui, selon moi, est comme un choix qui ne devrait même pas avoir à être fait. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais, tu sais, quand on regarde justement les fondements de la langue française est hyper prescriptive. Puis si on compare à l'anglais, qui est une langue hyper descriptive, ben ça fait en sorte que l'anglais s'inscrit elle-même dans l'évolution de la langue anglaise, s'inscrit à même l'évolution de ses locuteurs, de ceux qui la parlent. Ce qui fait en sorte qu'on dirait que ça va un peu plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que c'est pas problématique des fois la langue anglaise, mais quand ça vient aux changements sociaux et à la langue, on dirait qu'en anglais, étant donné que la structure est descriptive, ça va un petit peu plus la main dans la main, alors qu'en français, il faut passer par toute une structure compliquée puis souvent très résistante à l'adaptation de la langue, ce qui fait que c'est super complexe. Moi, je dois avouer que côté francophonie, quand ça vient à être du côté du Québec, je trouve personnellement, j'ai pas la science infuse, qu'il y a une plus grande résistance, justement à cause de ces institutions. Quand je suis de l'autre côté de la frontière, dans des groupes linguistiques minoritaires, j'ai l'impression que la résistance est moins là parce que justement il y a une certaine porosité entre l'anglais et le français un petit peu plus présente que mettons au Québec, mais aussi parce que puis ça, c'est une anecdote très personnelle. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des Franco-Ontariens être comme, ben, tu sais, pourquoi, tu sais, j'ai déjà entendu des Québécois dire pourquoi est-ce qu'on adapterait tout pour la minorité, puis des Franco-Ontariens ont fait comme, vous êtes conscient que nous, on est une minorité, tu sais, si nous, on est une minorité, puis que les gens s'adaptent pour notre francophonie, pourquoi on n'adapterait pas notre francophonie à un autre groupe minoritaire? Ce qui fait en sorte que j'ai trouvé que dans la communauté franco-ontarienne qui m'entoure à moi, il y a une super belle collaboration, puis c'est ça, il y a comme une belle compréhension, je trouve, quand ça vient à ça. Bon point. Puis aussi, juste pour le rappeler pour les gens qui écoutent, qui sont peut-être pas, qui savent pas les termes qu'on utilise. Non, mais c'est un bon point de rappeler. Peut-être qu'on peut dire aux gens, c'est quoi la différence entre une langue descriptive et puis prescriptive? Dans le fond, une langue prescriptive, c'est... Bon, normalement, quand on parle de la langue, la première chose qui arrive, c'est on la parle et ensuite on l'écrit, on la met sur papier. En anglais, c'est ça. On commence par d'abord parler la langue. Et là, les linguistes et les spécialistes de la langue vont étudier les nouveaux mots, les nouveaux termes qui arrivent à même le groupe social qui parle cette langue-là et vont adapter les outils linguistiques en fonction de ça. Ce qui fait en sorte que, par exemple, s'il y a des nouveaux mots qui émergent dans la langue anglaise, ben les outils linguistiques et bon l'éducation, tout ça va être adapté en fonction de ces changements-là. Donc, on part de parler à l'écrit. En français, on va souvent partir de l'écrit pour aller vers le parler, ce qui fait qu'on apprend à partir du papier quand on apprend la langue française à l'école et qu'on vient d'abord, on attend d'abord les instructions des institutions avant de savoir comment justement bien parler le français. Ce qui fait que quand ça vient à justement la connexion entre les changements sociaux puis les groupes sociaux qui parlent le français et l'adaptation de la langue française, il y a une forme de déconnexion qui est moins présente en anglais. Bon point. Puis je crois surtout qu'est-ce que tu as touché à la fin de ta réponse avec les groupes sociaux qui jouent un grand rôle dans ça. Pour moi, je trouve aussi que c'est super important. Puis on voit un peu ça sur le côté franco-ontarien, qu'il y a tellement cette culture peut-être là de pour militer puis revendiquer pour nos droits linguistiques parce qu'on est obligé de le faire, sinon on voit nos droits linguistiques s'effacer, qu'on est un peu plus ouvert peut-être. Qu'un milieu québécois de justement accueillir des différentes façons de parler français parce que on sait que si on dicte ah il y a juste une bonne façon de parler français puis si tu le parles pas ben va-t'en, on sait que c'est pas comme ça que la francophonie en Ontario va durer. Mais je suis curieux justement pour faire le point sur les groupes sociaux. Alicia, j'aimerais entendre qu'est-ce que tu penses toi qui travailles beaucoup dans les groupes sociaux à Montréal dans différents organismes. Comment crois-tu qu'une approche intersectionnelle pourrait être mieux implémentée justement dans la question de diversité de genre en français?
Comment est-ce qu'on peut créer des espaces plus accueillants et sécuritaires pour les personnes trans et non-binaires racisées en français? Merci pour la question. Tout d'abord, moi, je n'ai vraiment pas d'expérience avec tout ce qui est milieu ontarien, puisque j'ai immigré directement depuis l'Afrique juste ici à Montréal. Donc, moi, je ne parle majoritairement que le français la plupart du temps et je communique en français. Disons que vraiment l'anglais, c'est tous pour des aspects vraiment professionnels. J'ai dû amener à collaborer avec plusieurs organismes ici à Montréal durant mes différents mandats. Et comme j'ai expliqué, c'est qu'il y a souvent un manque de représentation, d'inclusion des personnes racisées, que ce soit des personnes trans ou des personnes non binaires. Alors la meilleure façon de pouvoir les inclure, c'est que on puisse avoir aussi dans le CA ou dans le membre du personnel des organismes qui est aussi une représentation. Parce que je trouve que souvent, si la quasi-totalité des personnes sont d'origine, sont caucasiens, ça va être un peu plus difficile pour d'autres personnes qui ont émigré comme moi de retrouver leurs semblables ou d'avoir une plus grande appartenance. Donc, c'est sûr aussi que quand on est une personne, par exemple, une intersectionnalité, le fait d'être une personne noire, d'une personne, d'être une femme dans mon cas, puis d'être, voilà, donc ça me fait plusieurs couches de pression et on cherche dans ce moment-là des endroits où on peut se sentir à l'aise. Et souvent, quand j'étais amené à aller dans plusieurs organismes, j'ai trouvé qu'il y avait une grande lacune au niveau de la représentation et de l'inclusion. Donc, je pourrais dire vraiment aux gens qui nous écoutent ici en ligne, de vraiment essayer d'aller chercher, d'essayer d'avoir, par exemple, je sais qu'il y a normalement un certain nombre de quotas qu'on peut essayer d'impliquer dans les sièges, dans les CA, dans tout ce qui est poste, d'essayer d'encourager qu'il y ait plus de personnes issues des minorités ethniques à pouvoir appliquer au poste. Comme ça permet à ces personnes-là d'être marginalisées, qui sont marginalisées, de pouvoir siéger à certains postes. Voilà. Donc ça, ce serait vraiment la première des choses. Et la deuxième des choses, d'essayer de créer des projets ou des événements pour les personnes people of color, comme on dit, donc personnes vraiment de, je vais dire, c'est bête de dire people of color, mais on a habitué, donc des personnes vraiment issues des minorités ethniques, à vraiment s'impliquer, puisque je trouve que ça va être plus facile de parler de certaines réalités avec nos semblables que avec des gens peut-être qui ne connaissent pas nos différents parcours ou tout ce qu'on a dû entreprendre avant d'arriver ici. Donc, c'est ça qui me vient à l'idée. Si je peux peut-être ajouter un point à ce qu'Alicia a dit, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Puis je pense que ça rejoint un point que Lionel avait fait aussi, et toi d'ailleurs, fait que ça tombe bien. Il y a cette idée que le fait de... que c'est une action neutre de, par exemple, accéder à un service en français, en anglais en tant que francophone, et de dire « Ah non, c'est pas grave, je vais juste accéder au service en anglais, puis ça va être pas super. » Mais en fait, la réalité, elle est bien différente. Lorsqu'on est dans des situations de crise, lorsqu'on est dans des situations de stress extrême, médical et tout, on veut parler notre langue maternelle. C'est un désir. Et des fois, ça peut même être un frein à la pleine compréhension des gens, des enjeux dans nos alentours. Donc, si les personnes se sentent comme si elles peuvent pas revendiquer un service dans leur langue, à force d'une peur constante de se faire mégenrer, de se faire de voir leur identité invalidée, et ça va avoir un impact sur le désir de la personne à accéder à des services en premier lieu. Et c'est vraiment ça sur lequel je trouve on doit mettre l'accent. Parce que c'est pas uniquement que le service soit pas offert. S'il y a un ou une infirmière, par exemple, dans un hôpital qui est comme, ou dans une clinique qui est hyper bien informée sur les identités trans, cool, mais quand même, c'est parfait, mais c'est pas la seule chose à faire. La personne doit aussi se sentir à l'aise à accéder à ce service-là et à en accéder en français, parce que sinon, le même pattern va se reproduire. On existe dans une société, puis la société dans laquelle on existe
est majoritairement est une société cis-normative, c'est-à-dire une société qui normalise l'identité d'être cis, c'est-à-dire non-trans, comme la normale, entre guillemets. Et elle est, surtout dans le contexte d'Ottawa-Gatineau, elle est anglo-centrique dans une bonne partie de la réalité. Donc, c'est on opère en anglais, ensuite on fait quelque chose d'autre en français et on essaye de comme... Le point de départ, c'est souvent l'anglais. Mais quand le point de départ n'est pas la réalité spécifique vécue par des personnes trans et non-binaires francophones, ben on ignore, ben on y a pas de moyen de comme adapter un modèle qui a été pensé pour l'anglais vers le français comme ça il va toujours avoir des lacunes. Fait que tu sais, par exemple, je pense souvent aux gens quand on dit tu sais, en anglais, lorsqu'on réfère au pronom, on peut dire they them par exemple, et souvent même aux États-Unis, on va dire souvent they them theirs pour être très clair. Mais on a vu en français le modèle traduit de ça, elle est incorrecte en fait. De dire elle par oblique elle, ou comme il lui, c'est pas la manière de référer en français, parce qu'il faut référer aux accords. Donc si vous voyez, je pense pas que sur le live stream ils voient nos descriptions de noms, mais nous tous on a une description qui dit, moi le mien dit Vincent Mousseau, entre parenthèses, yel, virgule, accord masculin. Et la raison pourquoi je dois le spécifier en français, c'est parce qu'il y a une différence. Et on peut pas juste faire une copie-coller de l'anglais puis assurer que tout va bien aller. C'est vraiment ça qu'on est en train de dire. On veut des approches qui sont adaptées à nos communautés, qui ont été pensées avec nous en tête, puis qui écoutent nos expertises. Donc, voilà. Très, très bon point. Ça, c'est surtout quelque chose, une question qui est très intéressante à devoir expliquer souvent aux personnes trans ou non-binaires anglophones, surtout quand on fait des événements bilingues, donc on demande une bio puis des pronoms en anglais, et puis on dit on va les traduire. Puis là, on leur demande, ben c'est quel accord préférez-vous utiliser, masculin, féminin, ou on peut aussi utiliser des accords mixtes. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est considéré dans la langue anglaise, donc c'est quelque chose qui est totalement, banal. Puis ça vient souvent, ça pousse les personnes anglophones à dire, ben tu sais, si j'utilise des pronoms neutres, pourquoi est-ce qu'on me demande quand même de choisir entre le masculin ou le féminin pour des accords? C'est vrai que la langue française en tant que telle est très différente, et puis donc pour exprimer des identités de genre issues d'une pluralité des genres, il faut bien adapter ça. Je suis curieux aussi, en parlant d'adaptation de services, ou bien d'adaptation de choses en général, mais de services surtout. Lionel, encore une fois, toi qui habites un peu, qui travaille un peu sur les deux côtés de la frontière, c'est quoi l'impact que tu vois de vivre dans une ville frontalière comme Ottawa-Gatineau sur les personnes trans ou non-binaires francophones, surtout dans un contexte médical? On le sait que les personnes trans ou non-binaires ont des besoins médicaux spécifiques, que ce soit des procédures ou juste même avoir accès à des prestataires culturellement compétents avec des enjeux trans. Qu'est-ce qui arrive si on est francophone, on est trans ou non-binaire, on veut accéder à des services médicaux, mais qu'on veut de qualité, mais qu'on veut aussi être servi en français? Comment que ça se fait? Ça se fait pas? Non, c'est pas vrai. Seigneur Dieu, c'est pas facile. D'ailleurs, premièrement, le système de santé est inadéquat sur tellement de points, pas juste pour les personnes trans et non-binaires, juste quand ça vient à la médecine pour les personnes femmes plus, c'est hyper problématique. Les personnes sourdes, moi je travaille dans la communauté sourde, les personnes sourdes sont obligées d'avoir leur propre interprète avec eux. Je veux dire, quand tu es dans une urgence, tu n'as pas nécessairement un interprète sous la main. Tu sais, c'est vraiment pas notre système de santé comme qu'on aime donc se taper sur l'épaule, qui est extraordinaire, est vraiment pas adapté quand ça vient aux minorités puis aux groupes marginalisés vulnérables. Puis là, c'est encore plus problématique parce que, sachant que la communauté trans et non-binaire est une communauté qui a des problèmes assez accrus de santé mentale, malheureusement, ben souvent, quand tu veux aller chercher de l'aide parce que tu es en détresse, ben tu dois arriver à la conclusion que je vais aller chercher de l'aide dans une institution qui va aider à mon oppression. Dans le sens que je vais probablement me faire mégenrer, me faire montrer la mauvaise toilette, me faire traiter comme
il va, tu sais, après ça, souvent, étant donné qu'on va à l'hôpital, notre carte d'assurance maladie n'est pas toujours changée, notre nom qu'il y a sur la carte n'est pas nécessairement celui qu'on veut. Donc, à ce moment-là, il y a toute une question de mégenrage, de pression, de vraiment de transphobie à même le système de santé. Donc, je vis de la détresse psychologique parce que je vis de la transphobie. Je veux aller chercher de l'aide. Et en allant chercher de l'aide, je vais vivre encore plus de transphobie. Ça n'a pas de bon sens. C'est que notre système est tellement mésadapté quand ça vient à cette réalité-là. Puis, c'est frustrant. Moi, je travaille aussi avec l'école de médecine d'Ottawa pour former les futurs médecins. Et ça n'en est... C'est triste de voir à quel point, justement, c'est laisser à la personne trans la responsabilité de se soigner. Quand tu vas voir des médecins, souvent, puis tu dis que tu es une personne trans, le médecin va te dire « Ah, oh, je connais pas grand-chose là-dedans, mais je suis toujours prêt à apprendre. » Mais c'est toi le spécialiste, c'est toi qui es en charge de ma santé. Je devrais pas avoir à te dire comment me soigner, tu sais. C'est là aussi que tu fais comme tabarouette que c'est... Puis là, après ça, rajoute la langue dans tout ça, justement, où est-ce que l'Outaouais étant un peu l'enfant pauvre quand ça vient au système de santé, ce n'est épeurant, des fois, d'aller chercher des services. Puis là, après ça, tu te dis, bon, mais je pourrais aller chercher un service du bord d'Ottawa parce que c'est des services de meilleure qualité, mais j'aurais pas de service en français ou si je suis vraiment, vraiment chanceux, peut-être que oui, je vais tomber sur quelqu'un qui soit bilingue, soit qui est francophone, puis je vais pouvoir lui parler dans ma langue. Mais à ce moment-là, moi, en tant que personne qui habite du bord du Québec, je vais devoir payer. Est-ce qu'une partie de ce que je vais payer va m'être remboursée? Peut-être pas au complet, mais une partie. Puis en plus, les personnes trans et non-binaires, ça a été prouvé à maintes reprises, sont des groupes quand ça vient à la sont financièrement précaires. Donc, je veux un bon service, je dois payer, je n'ai pas cet argent, je vais donc aller me faire comme... Je vais aller vivre de la discrimination. Tu sais, il y a comme toute une question hyper compliquée, particulièrement ici à cause de la frontière puis des services. Tu sais, est-ce que je vais chercher des bons services, mais pas dans ma langue, ou je vais chercher des services dans ma langue, mais j'y vais un peu à reculons parce que, justement, j'ai eu tellement des expériences épouvantables que je n'ai pas nécessairement le goût d'y retourner, tu sais. Puis poussons peut-être un peu ton réflexion encore plus loin. Mais, tu sais, les personnes qui sont dans la précarité financière, qui sont confrontées à des situations qui sont poussées vers des situations comme ça, vont prendre plus de risques aussi pour pouvoir trouver une solution pour adresser leurs besoins. Par exemple, ben on peut parler de toutes sortes de trucs. On peut parler du travail, du sexe. On peut parler de tous les autres éléments qui sont associés avec les communautés trans et non binaires, d'une part ou d'une autre. Mais faut pas non plus oublier que souvent, c'est comme c'est la société qui nous pousse à avoir à faire ces trucs-là aussi. Tu sais, c'est bien évidemment, je suis pas en train de dire que il y a pas de travailleuses du sexe trans qui adorent leur métier. J'en suis convaincu qu'il y en a plusieurs, mais aussi faut aussi considérer les raisons pourquoi les personnes sont là, ont cette responsabilité-là, et justement on trouve non seulement tout ce que Lionel mentionnait, mais aussi la précarité dans le milieu de travail, peut-être un désir de ne pas vouloir aller dans un milieu de travail puis avoir besoin de vivre encore de la transphobie. Il y a tellement d'éléments à ajouter aussi, fait que c'est beaucoup plus grand que ça. Et lorsqu'on parle de ça, j'aime dire, et ça c'est un peu dans le langage de travail social, fait que je peux m'expliquer après, que la transphobie est un déterminant social de la santé. Ce que ça veut dire, c'est que le fait de vivre la transphobie et tous les impacts que ça a sur la personne a des impacts sur notre santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, vraiment tout, parce que c'est une expérience qui englobe la totalité de notre expérience. Ça façonne la manière dont même nous on se voit. Et donc il y a des questions à se poser par rapport à qu'est-ce que nous on a en tant que devoir. Quel devoir est-ce que nous avons en tant que communauté de SLGBTQ+, au sens large, de protéger d'autres personnes? Donc, oublions pas que souvent la communauté, tu sais, on parle souvent de la communauté de SLGBTQ+, mais en réalité, c'est très, très souvent la communauté LGGGGGGGGGBT silencieux. Alors que, tu sais, la lutte n'est pas terminée. Et c'est ce que j'aime avec ce que je trouve que Fierté dans la capitale est en train de faire présentement,
en se solidarisant avec les communautés bispirituelles et autochtones. J'ai vu des activités récemment qui ont été faites à cet égard, mais aussi des conversations comme ça qui nous permettent de complexifier un peu cette idée de qu'est-ce que c'est être une personne de SLGBTQ+, dans le contexte de Gatineau, Ottawa, ou dans notre cas, Montréal. Et en tout cas, les frontières sont poreuses. Fait que, super bon point, puis je pense ben tellement de super bons points dans ça. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut discuter. Bien, il y a surtout un point que tu as fait, Vincent, que j'aimerais aborder. Surtout Alicia, j'aimerais avoir ta perspective sur ça, puis aussi les autres par après. Donc Vincent, tu as mentionné la solidarité. Puis moi, pour moi, la solidarité, c'est, tu sais, on a plusieurs descripteurs, on a plusieurs types de d'idées qui sont importantes à un mouvement social. Donc, on a l'équité, on a la justice, comme j'ai mentionné. Mais pour moi, la solidarité, c'est vraiment qu'est-ce qui est au cœur de tout mouvement social. Parce qu'à la fin, c'est de dire, même si si je partage ta lutte, ben je m'allie à toi parce que ça va me bénéficier aussi. Mais même si je partage pas ta lutte, même si je comprends pas ta lutte, le fait que je vois que tu luttes, ça m'invite aussi à t'appuyer dans ta lutte, parce que ma libération, évidemment, est associée à la tienne, parce que autant qu'une personne va être marginalisée, ben ça maintient un degré de pression contre un groupe de personnes. Donc, je suis curieux de savoir, Alicia, comment tu trouverais que les personnes trans et non-binaires pourraient être plus solidaires les unes des autres? Ou aussi, si on regarde ça de l'extérieur, c'est quoi la place des alliés dans tout ça? Puis comment est-ce que des alliés qui se disent alliés peuvent vraiment être solidaires des communautés trans et non-binaires? Grosse question, je le sais. C'est une grosse question. C'est certes, je n'ai pas vraiment la réponse à 100%, mais moi, quand j'ai la chance de côtoyer vraiment les gens qui sont pas issus de la communauté, je leur donne souvent des astuces en leur demandant, par exemple, quel est leur prénom et ensuite quel est leur pronom. Donc, juste pour un peu les faire réfléchir, puisque moi, j'étais amené souvent à, même si je fais partie de la communauté, à mégenrer les gens. Pas en faisant exprès, mais juste en me fiant sur la présentation de la personne, mais souvent surtout sur le IL qui est pas encore qui était malheureusement pas encore très présent dans le côté francophone. Donc quand j'étais amené à essayer de trouver, ok, c'est IL, mais tellement la langue est genrée que j'étais comme, ok, on dit comment beau, on dit comment belle, comment on trouve le milieu, en fait, sans vraiment genrer quelqu'un. Donc, ça a été vraiment un obstacle. Et c'en est encore pour beaucoup de personnes immigrantes francophones qui habitent ici, que ce soit les personnes de la communauté ou non, quand ils sont en face. Donc, premièrement, je pourrais dire vraiment de demander les pronoms. Ce qui est très important, c'est une façon vraiment de respecter la personne qui est en face de nous, donc l'interlocuteur. Et une autre chose, c'est vraiment de pouvoir s'éduquer, puisque nous sommes malheureusement pas... Moi, je suis amené plusieurs fois à me faire poser énormément de questions et je réponds toujours aux personnes en disant comme quoi, ce n'est pas ma place, je ne suis pas venu pour ça. Mais il y a plusieurs informations disponibles sur Internet, dans des livres. Donc, vraiment aux gens de prendre le temps de s'éduquer, de lire, de sensibiliser sur différents sujets. Il y a plein d'informations qui sont disponibles. Donc, moi, je dis toujours aux gens, éduquez-vous, que ce soit par des livres, par des podcasts, par des séries. Voilà. Donc, c'est souvent ça que j'amène vraiment à donner des astuces ou en essayant de s'impliquer en tant que bénévole dans certains organismes. Il y a plusieurs organismes ici à Montréal. Chacun a leurs différents objectifs. Donc, de s'impliquer en tant que bénévole s'ils ont quelques heures à donner afin de comprendre un peu mieux certaines choses. Et je pourrais dire aussi, ben, j'aime pas dire comment être un meilleur allié, mais
de s'éduquer aussi, surtout sur les réalités que les personnes vivent. Donc, vraiment d'apprendre, d'essayer de comprendre. Parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup de gens qui ne pourront peut-être jamais comprendre tout ce qu'on a vécu et tous les traumas qu'on a eu à emmagasiner et à venir avec jusqu'à présent et qu'on essaye de guérir. Mais de leur dire que, OK, il y a une meilleure façon de s'éduquer et d'apprendre et de comprendre. Donc, moi, c'est les 3 points que je peux donner. Bénévolat, demander des prénoms et s'éduquer sur les différentes réalités. Ouais. Je sais pas si Vincent ou Lionel aimeraient rajouter quelque chose. Ben, moi, j'aimerais juste rajouter comme une... Excuse-moi, Vincent, je t'ai interrompu. OK. ben d'abord, merci beaucoup, Alicia, pour cette réponse. Moi, j'avais peut-être une autre question à faire du rebond, parce que moi, je me suis déjà fait dire que par mon refus un peu d'éduquer les gens, je faisais preuve de capacitisme, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est nécessairement capable justement d'aller faire des recherches adéquates pour bien s'informer puis s'éduquer. Puis j'avoue que j'ai eu un moment de... Là, j'avoue que je suis un petit peu dans je suis coincée dans un coin à ce moment-là de... Effectivement, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je fais à ce genre de remarques-là de ben si tu m'aides pas, puis si tu me l'expliques pas comme moi je peux, ben à ce moment-là, moi j'irai peut-être pas chercher les bonnes, j'ai pas nécessairement les compétences ou les habiletés pour aller chercher la bonne information, puis bien m'éduquer comme il se doit, tu sais. Moi, j'ai une réflexion par rapport à ça, si je peux me permettre. Aïe aïe! Tu sais. Le niveau de entitlement à le temps de l'autre est époustouflant. C'est, non, mais c'est absurde, on s'entend-tu que qu'on peut dire, ah, toi, tu prends pas de ton temps pour m'éduquer gratuitement et donc t'es une personne qui est capacitiste? Non. Il y a plein de ressources sur Internet. Si moi, j'ai la capacité de le faire, je vous enverrai peut-être un point de départ, puis ensuite, vous pouvez regarder dans les vidéos, dans les liens, dans les trucs comme ça. Mais si je vous donne ça, puis je vous parle de mon expérience vécue, puis je vous donne un tout début de recherche, ce n'est nullement capacitiste de dire ensuite que c'est votre responsabilité par la suite de s'éduquer. Puis rappelons-le aussi, c'est nous qui vivons l'oppression et c'est nous qui vivons la transphobie dans cette situation-là. C'est pas pour dire que le capacitisme n'est pas une forme d'oppression, bien au contraire. Mais la question en jeu est la transphobie. Et donc, si vous ne m'éduquez pas sur ce qui est derrière ce statement-là, c'est que si vous ne m'éduquez pas sur la transphobie, ben je vais continuer à être transphobe parce que je peux pas aller faire la recherche. Alors que pour moi, dans l'ère où on se trouve, avec l'accès, avec tant d'accessibilité de ressources et avec des réseaux publics sous-financés, on va se le dire, looking at you, Bibliothèque publique d'Ottawa, on augmente le financement, s'il vous plaît. Mais tu sais, en regardant ça, il y a des personnes là-bas à qui on peut aller parler puis dire, hey, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a parlé de non-binarité, puis je connais rien là-dedans. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des ressources? Il existe des ressources communautaires. Fait que de proposer que, ah, c'est votre devoir de me le faire, non, non. Puis pour moi, ça me ramène un peu dans ce que moi, je voulais dire. Puis j'ai adoré, Francesco, quand tu avais mentionné la solidarité, parce que pour moi, à la base, c'est ça. Je pense que c'est Dominique A.R. Jackson, d'ailleurs, qui a été reçu par Fierté dans la capitale hier, je pense, ou avant-hier, qui nous a rappelé dans un de ses discours que ce n'est pas votre pouvoir de me tolérer, ce n'est pas votre pouvoir de m'accepter. Je reprends ce pouvoir. Vous allez me respecter. Et c'est ça le point pour moi. C'est comme niveau de compréhension. Tout le monde est sur leur propre cheminement et ça va. C'est que chaque personne développe sa compréhension des enjeux trans et non binaires d'une optique qui est bien pour eux, parce que chaque personne a une manière différente d'apprendre et tout. Puis on peut pas mettre ce fardeau là sur les personnes qui vivent déjà de la transphobie et de la NB-phobie. Fait que pour moi c'est ça. Mais c'est vraiment le respect. Moi, je veux pas que tu... Moi, je m'en fous si tu comprends mes pronoms ou non. Moi, je veux que tu les utilises quand même. Tu sais? Puis qu'après que tu ailles faire ta recherche ou que tu ailles regarder tout ça, mais vous allez me respecter. J'exige ce respect en tant qu'être humain.
et vous n'allez pas me l'enlever. C'est ça l'affaire. Fait que soit vous êtes solidaire, soit vous ne respectez pas, soit vous ne respectez pas mon droit fondamental de définir mon identité comme moi je, comme bon me semble. Et donc, soyons clairs sur ça. Ensuite, le lien que j'aime, on parle souvent d'être allié. Ah, moi, je suis un allié. Ah, tu sais, il y a souvent des sponsors corporatifs. C'est la TD qui se dit fière alliée des communautés parce qu'on donne de l'argent, même si les femmes trans sont barrées de leur compte bancaire pour à multiples reprises pour des vérifications de voix vraiment weird. Tu sais, on parle d'être allié. Mais qu'est-ce que c'est être allié? Dans le fond, tu sais, comme être allié, c'est une étiquette qu'une personne se colle elle-même. De un, c'est pas ça être allié. C'est pas à toi de te coller l'étiquette d'allié. Là. Je comprends l'intention derrière. Le message qu'on essaie d'envoyer, c'est que ah oh non, je suis une personne ouverte, j'accepte tout le monde. Mais en réalité, être allié n'est pas une identité. Moi, j'aime beaucoup dire que moi, j'ai jamais rencontré une alliée de ma vie. Pas possible. Parce que ça n'existe pas, une alliée, une personne alliée. Ce qui existe, ce sont des personnes qui agissent en tant qu'alliées. Voilà la différence. Et la différence, elle est bien importante parce que ça implique l'action. Allier, être allié, c'est un verbe. Il n'est pas un nom. Il n'est pas un nom. Et quand on le considère comme ça, bien, on se rappelle que c'est justement en agissant de manière solidaire envers les unes et les autres qu'on va finalement finir par créer des dynamiques intéressantes. C'est pas une question de commencer à définir un drapeau allié comme si tu avais besoin d'un drapeau pour être moindrement une bonne personne, pour respecter les identités des personnes de SLGBTQ+. T'as pas besoin d'un drapeau pour ça. De un, on va commencer de près. Puis de deux, c'est juste en train d'agir en solidarité, genre comme « Jeff, toi, genre, qu'est-ce qui se passe? » On s'entend-tu, là, comme, voyons? Tu sais, c'est comme, moi, fait que moi, honnêtement, j'aimerais, en tant que communauté, un de mes grands souhaits, c'est qu'on arrête de parler d'alliés et qu'on commence à parler de solidarité. Parce que c'est justement en mettant l'accent sur les personnes qui s'agissent en solidarité avec nos communautés qu'on va vraiment pouvoir revendiquer et adresser tous les enjeux desquels on a parlé tantôt, l'accès aux services, les difficultés médicales, les difficultés avec la santé mentale et tous ces enjeux-là, ça passe d'être là, là. Wow, comme super bon point. Il y a tellement de choses que tu as dit dans ça qui résonnent avec moi. Et puis, il y a une chose, une pensée qui m'est survenue pendant que tu parlais, c'était justement que je trouve que parfois, l'étiquette d'allié peut souvent être utilisé de manière défensive. Donc, si on se fait accuser de transphobie, de racisme X, que veux-tu, on dit « Ah, mais ça se peut pas, je suis allié. » Tu sais, je me dis allié. J'ai écouté Drag Race une fois, là, fait que moi, je comprends pas en quoi vous dites que je suis transphobe. Mais c'est exactement ça. Et puis, il y a justement un peu ce déni-là de dire que, ben oui, mais si je me dis allié, puis si je me dis ouvert d'esprit, ben, si qu'est-ce que je fais, ça peut pas être transphobe parce que je le veux pas. Je veux pas que ça soit transphobe. Mais ça nécessite, si on veut être allié, ou plus comme tu as dit, si on veut être solidaire des gens, je crois que ça implique aussi d'accepter que ça nécessite un peu de déconfort, d'inconfort. Ça nécessite de dire que si tu es allié, c'est parce que tu fais pas partie du groupe marginalisé et donc tu as des bénéfices par raison de ton identité majoritaire. Et ce qui va venir... J'ajouterais même à ça que si t'es pas mal à l'aise constamment dans ton travail d'allié, c'est parce que t'es pas en train de faire le questionnement nécessaire. Absolument. Lionel, tu voulais-tu ajouter sur ça? Oui, dans le fond, moi, il y a quelque chose en ce moment qui m'outre, je vais utiliser ce mot-là, qui me fâche à un point, c'est qu'en ce moment, je trouve qu'on est souvent en train de détourner l'attention du vrai problème. Tu sais, quand, mettons, je vais dire à quelqu'un ce que tu viens de dire, c'est transphobe, ou ce que tu viens de dire, c'est problématique, à ce moment-là, je deviens la mauvaise personne parce que j'ai osé dire à la personne que ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait était problématique d'une façon ou d'une autre. Et là, à ce moment-là, souvent, l'attention se retourne vers moi, puis là, parce que souvent, la personne qui a commis ou qui a dit la chose fait partie de la majorité, ben le reste de la majorité va être comme « Non, c'est toi qui es une mauvaise personne, comment oses-tu prêter des intentions transphobes à cette personne? » Donc là, on n'adresse pas du tout la transphobie, on adresse le fait que moi, j'ai insulté cette personne-là en lui prêtant des intentions qui n'étaient pas les siennes. Alors que, soyons clairs, là, je m'en fous de tes intentions.
comme même si mon intention était, tu sais, je veux dire, j'ai un couteau dans les mains, tu trébuches, je te fais mal, comme mon intention n'était pas de te faire mal, mais est-ce qu'il faut que tu ailles à l'urgence à l'hôpital avoir des points de suture? Oui. Comme on s'en fout de ton intention, est-ce que tu m'as fait mal? Oui. À ce moment-là, comme réfléchis, informe-toi, comme fais une introspection sur toi-même. Arrêtez de détourner l'attention puis de renvoyer le problème vers la personne minoritaire, tu sais. Puis d'ailleurs, une partie de ça, puis je pense que tu l'as mentionné, c'est le fait que c'est une subtilité qui se fait, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que nous, on dit aux gens, « Hey, votre commentaire a été transphobe. » Ce qui est entendu, c'est « Ah, tu es transphobe. » Et donc, ça parle de comme une action concrète qu'on est en train d'adresser, et ça revient à « Ah, ben c'est l'idée. » Cette personne est en train de dire que je suis une mauvaise personne. Parce que quand on pense d'un ou une transphobe, ben on pense à J.K. Rowling, ou bien on pense à, tu sais, la personne qui va activement aller comme faire des trucs, alors que cette personne-là comprend pas parce que ses intentions étaient clairement pas ça, tu sais. Fait que je comprends un peu ce qui se passe, mais il faut vraiment qu'on met l'accent aussi sur le fait que comme, ah, t'es pas une mauvaise personne pour ça. Mais, ton comportement a quand même heurté des personnes. Et donc, c'est important qu'on soit redevable à ça aussi et qu'on essaye de rectifier ça. Mais de reconnaître que aussi, moi, les personnes qui sont convaincues d'être transphobes, là, moi, je prends pas mon temps à les éduquer. Zéro, là. Puis parce que ça me tente pas. Fait que si je suis en train de te corriger sur mes pronoms, si je suis en train de revendiquer quelque chose à propos de mon identité avec toi, ben c'est parce que fondamentalement, je te respecte et je trouve que tu auras la capacité de changer. Sinon, je gaspillerais pas mon temps. Fait que vois ça comme un compliment que je suis en train de te reprocher un peu, là. On vient pas à la défensive, là. C'est vraiment le but est de passer vers quelque chose qui respecte la réalité, là. Bon point. Puis surtout quelque chose que tu as mentionné, Vincent, qui est très d'actualité. Ben peut-être un peu moins maintenant, mais ça l'était. J.K. Rowling. Il y a une personnalité YouTube qui moi j'adore, qui s'appelle la chaîne YouTube s'appelle ContraPoint. Son nom c'est Natalie Wynn. Elle a fait une grosse discussion sur J.K. Rowling. Puis justement, elle a un peu fait une différence. Elle a différencié entre les bigots en anglais, mais les personnes insensibles, intolérantes, explicites puis implicites. Et puis souvent, les gens qui ont une transphobie implicite vont dire « Ah ben non, je suis pas transphobe parce que ben tu sais je veux pas faire de mal aux personnes trans, j'ai des amis trans, je veux que les personnes trans puissent vivre leur pleine vie, mais j'ai des craintes, je veux défendre des choses, je veux défendre la liberté d'expression, je veux défendre le genre, je veux défendre les femmes, parce que tu sais on essaie souvent de victimiser les femmes cis comme quoi que les identités trans sont une menace aux femmes cis, ce qui est très infantilisant pour les femmes en plus, là, on va se le dire. Mais justement, je pense que quand quelqu'un te reproche, si tu te fais reprocher pour que ce soit de raciste, des propos racistes, des propos transphobes, des propos homophobes, si quelqu'un prend le temps de t'éduquer et puis ta première réaction, c'est d'être défensif, je pense que c'est important de considérer pourquoi est-ce que tu es défensif. Pourquoi est-ce que tu cherches à mettre autant d'énergie à défendre tes actions qui ont clairement fait du mal à quelqu'un, même si c'était pas, comme Lionel a dit, ton intention. On s'en fout de ton intention, c'est l'impact qui compte. Donc ça, je trouve que c'était tellement important à mentionner. Merci surtout à tout le monde, vous tous qui avez fait le point sur ça. Je voulais faire un petit rappel au public qui nous écoute peut-être. Si jamais vous avez des questions pour nos panélistes, on s'en vient vers la fin du panel, mais on peut quand même avoir du temps pour les poser. Alors, insérez-les dans les commentaires de la vidéo et puis on va s'assurer de les poser. Mais pour peut-être conclure, avant qu'on vérifie s'il y a des questions du public, j'aimerais tourner notre attention peut-être sur quelque chose qui est un peu positif pour moi, qui est une source de force pour la communauté trans non binaire. Puis ça, pour moi, c'est les arts.
On a parlé, on a fait une blague tantôt de Drag Race, mais c'est quand même important en tant que forme d'art, pas juste du drag, mais toutes les formes d'art, de vraiment pousser les barrières qu'on connaît avec le genre. Et puis Lionel, je suis intéressé de savoir, puis aussi toi, Alicia, les deux qui vous êtes impliqués dans différentes parties de la communauté artistique, quel est le rôle de l'art dans l'avancement des droits trans et non-binaires, et puis comment est-ce qu'on peut utiliser l'art comme un outil pour ça? Peut-être Lionel, si tu voulais commencer, je sais qu'on a parlé de ton expérience en théâtre. Ben en fait, je pense que j'aimerais ça donner la parole à Alicia d'abord avec le peu de temps qui nous reste. Oui, absolument, bon point. Alors, moi, je suis en aucun cas dans tout ce qui est art, donc c'est pas vraiment ma spécialité. Mais c'est vrai que nous avons eu, durant mon mandat avec Massimadi, plusieurs espaces pour les artistes où j'ai été amené en tant que personne pour venir assister à ces espaces-là. Et puis, je trouve qu'elles sont quand même assez nécessaires pour ces personnes trans et non binaires, puisque c'est un espace qui est safe, puis ça leur permet en même temps d'exprimer tout leur côté artistique et d'exprimer leur genre, d'exprimer leur histoire, puis exprimer aussi leur talent. Donc vraiment, même moi, je suis pas artiste, donc je peux vraiment pas trop parler là-dessus. Mais je trouve quand même que c'est assez nécessaire. On a essayé pendant plusieurs éditions de vraiment donner un espace à chaque festival pour ces artistes-là de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est juste ça que je vais laisser maintenant à Lionel, qui est plus dans le domaine. Merci beaucoup. Ben moi, récemment, j'ai entendu une quote en anglais que j'ai trouvée excellente et qui va sonner tellement simple, mais c'est « Good art make you think, great art make you change ». Dans le sens que du bon art, ça va te faire réfléchir, mais de l'art qui est extraordinaire va vraiment te faire changer. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que l'art a une immense, la culture a une immense place quand ça vient à être agent de changement. D'ailleurs, le nombre de personnes qui vont dire la journée où je me suis vue à l'écran, où je me suis vue sur scène, où je me suis vue dans un livre, et la journée où je me suis finalement compris. L'autre jour, Vincent, justement, t'as dit nommer, c'est exister. Si on a les mots, si on a les images, si on a les représentations sur un écran, dans les médias, tu sais, à ce moment-là, tout à coup, on apprend à se connaître un peu plus, puis on éduque aussi les gens. Puis il y a aussi une bonne façon de le faire. Tu sais, un bon exemple, c'est que pour les personnes transmasculines, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de représentation. Il y avait presque rien. Dans les 10 dernières années, on en a eu plus, mais pré-en 2000, la seule chose qui existait, c'était « Boys don't cry ». Et mon Dieu, qu'après avoir regardé ça, tu veux pas être trans. Tu dis non, ça ne sera pas. C'était presque un être trans, c'est mourir. T'sais, c'était horrible et traumatisant comme film. Mais il y a ça aussi, c'est que c'est un film qui a été créé d'un point de vue cisgenre. La personne qui a créé ça, la comédienne qui jouait, toutes les personnes de l'équipe étaient des personnes cisgenres, ce qui fait en sorte qu'on tombe à ce moment-là dans une espèce de curiosité morbide vue d'un point de vue de la majorité où est-ce que, oh mon Dieu, ton struggle est ton inspirant puis t'es donc courageux, alors que pour la personne trans qui regarde ça, c'est traumatisant puis c'est vraiment pas une bonne façon justement de se dire, mon Dieu, je vais aller naviguer un monde qui est hyper violent envers ma communauté, alors que si on met vraiment l'emphase sur justement les créateurs trans, les créateurs non-binaires, les personnes justement de ces minorités-là, puis pas juste sur scène, il faut aussi avoir des gens derrière la caméra, au script, les réalisateurs, c'est toute l'équipe au grand complet devrait, selon moi, être constituée de gens qui font partie de ces groupes sociaux-là marginalisés et minoritaires, pour faire en sorte qu'à ce moment-là, une personne cisgenre va quand même apprendre, tu vas quand même pouvoir trouver quelque chose d'intéressant puis faire preuve d'empathie envers ce qu'il voit à l'écran. Mais pour les personnes trans et de cette minorité-là, à ce moment-là, on fait « Oh mon Dieu, voici des gens qui sont comme moi et qui font ce qu'ils aiment et qui sont heureux et qui évoluent dans un monde de façon positive. » C'est qu'il y a une façon aussi de prendre un point de vue qui n'est pas nécessairement cis-centriste, mais plus d'un point de vue justement de la minorité, mais qui peut quand même être intéressant pour la majorité. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Absolument. Absolument.
Je ne sais pas si Vincent ou Alicia, il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter à ça avant qu'on conclue le panel. Moi, j'ai rien vraiment à ajouter à ça, mais je me demande, en fait, parce que je sais qu'on a de l'interprétation, je trouve que une partie d'agir en solidarité, c'est la compréhension, puis on est reconnaissant quand même des dynamiques linguistiques dans la région de Gatineau-Ottawa et même à Montréal, où c'est des communautés non binaires. Et on comprend, si je comprends bien, Jean, ben, salut à tous les anglophones qui nous écoutent en traduction. À la base, merci de s'intéresser aux enjeux qui nous concernent. Puis, si je me trompe pas, ça va être disponible après la traduction, va être disponible sur le site internet de Fierté dans la capitale. Je crois bien, du moins la diffusion va être enregistrée pour être disponible, mais je vais vérifier ça, mais ça devrait, oui. Cool. Puis moi aussi, je tiens surtout à remercier et puis à reconnaître le travail des interprètes qui nous traduisent en ce moment. Je tiens aussi à m'excuser si j'ai parlé trop rapidement. Je suis sûr que c'est arrivé. Mais merci beaucoup pour votre travail, vraiment. C'est quelque chose, évidemment, pour moi, en tant que direction des affaires francophones à la Fierté dans la capitale. L'accessibilité linguistique pour présenter le contenu en anglais et en français, c'est super important pour moi. Donc, je tiens à remercier ça. Et puis aussi, je tiens aussi à remercier l'équipe d'organisation de la Fierté dans la capitale qui ont mis leur temps et leur énergie et beaucoup d'efforts à faire de nos plans des réalités. Pas juste pour cet événement-ci, mais aussi pour toute la semaine d'événements qu'on a eus. Et puis aussi un petit rappel pour les gens qui nous écoutent de continuer à participer aux événements de la Fierté dans la capitale. Ça se poursuit aujourd'hui et demain aussi. Donc, faites sûr d'aller voir ça sur le site web de la Fierté dans la capitale. Finalement, je tiens à donner un gros merci encore une fois à nos trois super panélistes qui se sont joints à nous aujourd'hui. Vraiment, j'aurais pas pu demander pour une meilleure conversation. Ça a été inspirant, ça a été éduquant, puis éduquant, ça c'était bien éducatif. Puis puis j'ai beaucoup appris de vous. Donc moi je vous remercie personnellement, puis au nom de la Fierté dans la capitale, j'ai bien hâte de voir où ces discussions nous mèneront dans l'avenir. All right, donc c'est tout pour nous. Oui Lionel, si tu veux dire un dernier mot? Non? Je voulais juste dire merci, c'est tout. Super. Merci. Merci. Puis c'est correct aussi. Il n'y a pas de bon et puis de mauvais français, là, on va se le dire. Fait que, quand. Bon point, Merci tout le monde. le message central de ce panel. All right. Ben, bonne journée à tout le monde, puis surtout, bonne fierté dans la capitale. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée.